Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu. J'ai fait une commande le 26 septembre chez Dressenstoffen et je l'ai reçu hier le 4 octobre. Donc je fais la vidéo pour essayer de vous la mettre le plus vite possible en ligne, mais ça va être compliqué. J'ai déjà regardé, j'ai déjà deux tissus qui n'existent, enfin qui ne sont plus sur le site. Donc ma commande, elle a été, bon, c'est pas une grosse commande, elle a été essentiellement déclenchée pour acheter des tissus, deux tissus spécifiques pour cet hiver, parce que évidemment, on va que ce soit à la maison ou au travail, on va chauffer moins cette année. Hein. C'est voilà, tout est dit. Hein. Donc, je veux me faire des choses, je veux pas avoir froid. Je travaille en plein courant d'air et donc j'ai pas envie d'avoir froid. Donc je prévois mes pulls chauds doudous pour le travail. Ou pour la maison aussi, bien sûr. Je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte le t-shirt Erel que j'avais fait dans une viscose de Dressenstoffen, dans un jersey de viscose, mais que j'aime qui plus, je vous l'ai déjà dit. En bas, je porte mon pantalon de chez Majam Couture. Je vais me reculer, peut-être que vous allez mieux voir. Donc je porte, voilà, mon pantalon de chez Majam Couture, que en définitive j'aime bien, hein, quand même j'aime bien. Et puis le haut, c'est un gilet Harper, c'est un gilet Harper que j'ai fait il y a au moins 2 ans de ça. Donc voilà, c'était un tissu un peu ajouré, c'est un tissu ajouré que j'avais eu chez Dressenstoffen. Il m'en reste encore d'ailleurs pour faire quelque chose pour une fois. Pour une fois, la case ce que je porte est cochée. Après, ça c'est un petit collier que j'avais eu lors de la tournée de Monsieur Obispo millésime. Voilà, que je porte de temps en temps. Ça c'est un petit truc, un lot que j'avais acheté sur Amazon. Allez, on est parti. Alors, j'ai acheté un coupon de Wellness Black. Il n'y a pas de référence. J'en avais commandé 1,60 m. C'était 6 € du mètre. Ça m'a coûté donc 9,60 € pour faire un pull. Et j'en ai reçu, ils n'ont pas été très généreux sur celui-là. 1,66, donc 6 cm de plus. Donc c'est, vous voyez, c'est ça, c'est tout doux. C'est, vous savez, c'est comme les polaires, comme les couettes là qu'on met souvent sur les canapés. Hein. C'est vraiment, c'est ça. Hein. Et c'est assez épais. Et j'avais envie de quelque chose qui soit cocooning. Voilà. Hop. J'ai pris la même chose, mais en rose très clair. Donc c'est pareil, j'en avais pris 1,60 m, c'était 6 € du mètre, et j'en ai reçu 1,60 m. Et ça m'a coûté donc 9,60 €. Là il va saturer un peu. Donc vous voyez, c'est tout doux. Il est moins doux de ce côté-là. Voilà. Rose, hein, parce que ça me va bien le rose. Hop! Alors après, j'ai acheté. Alors après, ce ne sont que des viscoses. Bah oui, hein, parce que au prix de les viscoses, j'ai dit voilà, hein, je rachète. J'ai prévu d'autres robes, les robes Augustine là que j'aime beaucoup. J'en ai prévu d'en faire pour cet hiver, donc j'ai prévu. Et à chaque fois, du coup, j'ai pris 2 mètres de viscose. Donc à chaque fois, elles sont toutes à 3,95 € du mètre. Donc ça, à chaque fois, ça m'a coûté 7,90 €. Après, je les ai mesurées, donc je vais vous dire ce que j'ai reçu par rapport au métrage commandé. La première, je me suis aperçue que je l'avais déjà commandée dans une autre, c'est pas grave.
J'en avais déjà 1,50 m ici et là j'en ai acheté 2 m. Ça fait 3,50 m de cette viscose. Alors peut-être que je vais la garder pour l'été prochain, celle-ci du coup, pour faire une robe magnolia. Mais donc celle-ci, voilà, avec des petites touches de du rouge, du rose et sur fond noir. Donc, bon bah c'était des belles viscoses là, hein, qu'ils avaient, hein, je trouvais. Hein, voyez. Donc j'en ai reçu moi 2,05 m pour 2 m achetés. Donc voilà la petite viscose. Ou alors je me ferai une, je sais pas, j'ai pas encore. Là celle-ci, la prochaine, elle va être cousue là rapidement et ça, ça va être une robe Augustine, ça c'est sûr. Donc j'en ai reçu pour 2 m achetés, j'en ai reçu 2,10 m. Vous voyez, c'est des tons. Le fond est bleu marine. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Le fond est bleu marine. Et après, il y a des petites des tons un peu brique orangé, marronné, gris, bleu. C'est plus gris. Hein. Donc voilà. Donc viscose. Hein. Je vous la remonte de près. Mais voilà, pour le prix. Donc ça, je pense, oui, ça va être une petite robe Augustine. Ensuite, la prochaine, ça me change. Ça va, vous allez voir, ça change. Donc la prochaine, donc pour 2 m commandés, j'en ai reçu 2,20 m. Ils ont été généreux sur celle-ci. Alors, je vous ai pas dit les références. Oh bah nounouille, je vous mettrai un petit encart avec les références dessus, hein. Le prix au mètre et les références, comme ça. Je les nounouille, il y a les marques, je les marque là, mais je le dis pas. Bon bah voilà, c'est moi. Hein. On ne change rien. Donc voilà. Il y a du noir, du vert, du rouge, un peu de gris. Je l'ai trouvé. J'avais déjà lorgné dessus, j'hésitais parce que le rouge, je suis pas habituée à porter du rouge. Mais j'ai envie. Donc bah les fluides hein, comme les viscoses. Fluide, elle a pas l'air bien hein, transparente. Je vous laisse voir correctement le tissu. Voyez. Faut que je les lave, hein, je les ai pas encore lavés. J'ai mis les étiquettes déjà pour pouvoir me rappeler. Alors, la prochaine, ils ont été très généreux. J'en avais commandé toujours 2 m et j'en ai reçu 2,55 m. Donc, pratiquement 3 m, presque 1 m de plus, c'est sympa, quoi. Bon, en même temps, je suis une bonne... Il regarde mes historiques de commandes, je crois que je suis une bonne... je suis une bonne cliente, moi. Voilà, donc là c'est plus pour cet hiver aussi. Donc elle est peut-être un petit peu plus transparente, plus fine celle-ci, non? J'ai bien l'impression. Donc vous voyez un peu, c'est plus foncé le orange. Hein. Il est plus, c'est plus ocre que jaunâtre, comme là ils font voir. La couleur est plus foncée du jaune. Je sais pas si... C'est plus, ouais, ocre, moutarde. Moutarde foncée. Alors après, vous voyez, les deux autres, c'est les deux dernières. Vous voyez, c'était pas une grosse commande. Hein. Les deux dernières, là... Comment dire, elles sont plus sur le site déjà. Elles sont plus sur le site. Alors, celle-ci, donc 2 m toujours, j'en ai reçu 2,05 m. Je vous laisse bien voir les couleurs. Je trouvais joli. Moi, je sais pas, le vert, ouais. Ça me change.
Donc pareil, hein, viscose, hein, fluidité, et puis au niveau transparence, je sais pas si vous me voyez derrière. Et la dernière, donc ils m'ont mis un petit message parce qu'en fait j'avais commandé 2 mètres et apparemment le coupon ils n'avaient pas 2 mètres, donc ils m'ont donné en 2 fois. Alors ils m'ont mis un petit message, c'est mignon, c'est gentil. Ils me disent que nous vous remercions de votre commande, nous tenons à vous informer qu'un tissu n'était plus en stock en une pièce, c'est pourquoi nous avons ajouté plusieurs pièces. Avec ces pièces vous recevrez plus que le nombre de mètres que vous avez commandé, amusez-vous avec le tissu. Donc en effet, donc le gros coupon, j'ai eu 1,90 m pour le gros coupon. Et pour le petit coupon, j'ai eu 85 cm. Donc c'est dans des tons bleus. Peut-être dans ce sens-là quand même, c'est mieux. Bon, à mon avis, je pense pouvoir caser. Déjà, je suis sur la robe en manche courte, la robe Augustine, je peux la caser là-dedans. Il me semble. Quoique, non, hein, la robe Augustine, elle demande quand même pas mal de tissu. Après, j'ai une robe que j'aime bien aussi de couturette, la Basma, que je peux faire aussi en longue ou en courte. Et en courte, elle est jolie aussi. J'aime beaucoup l'hiver. Elle fait avec des manches et elle passe dans mon métrage. Avec des manches un peu trompette. Elle est jolie, cette petite robe-là. Faudrait que je m'en fasse une, tiens. Alors peut-être celle-ci, je vais me faire. Je ne sais point encore. Ce sera la surprise. Donc voilà, mes petits achats tissus. Vous voyez, c'était pas une grosse commande. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire le montage vite fait et je vais essayer de la poster. On est mercredi 5. Vous voyez, je vais essayer de la poster ce soir. Donc, je ne promets rien, mais je vais essayer. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux, de tous vos gentils messages. C'est vraiment adorable. Des fois, on se parle comme ça par message. C'est marrant. On se met des pavés. Je me dis, c'est terrible, quoi. Mais au moins, c'est agréable de pouvoir échanger couture avec vous. Vous me donnez des super conseils, voilà. Merci à tous pour tout ça. Et puis, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. J'espère que mes vidéos vous plairont. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ah, je voulais faire juste un petit update au sujet des publicités. Je sais qu'il y a je mets de la publicité, hein, voilà, je prends du temps pour faire toutes ces vidéos et tout, donc évidemment je mets de la publicité. Par contre, c'est vrai que je gère pas la publicité, ça se met automatiquement. Donc j'en suis désolée si vraiment des fois ils abusent, parce que vraiment c'est pas le but de. Alors peut-être je ferai des vidéos plus courtes pour qu'il y ait moins de publicité, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que plus la vidéo est longue et plus dans le milieu ils en balancent toutes les 10 secondes, quoi. Enfin, je comprends, hein, que ce soit pénible, mais c'est vrai que c'est du temps et que ça me permet aussi de générer, on va pas être je gagne pas des milliards, hein, faut que je travaille, hein, mais des petites sommes que je mets de côté pour m'acheter à un moment donné une autre pépette grâce à vous. Donc ça fait déjà quelques mois que je mets de côté pour pouvoir acheter une autre petite pépette, parce que celle-là elle fatigue et donc voilà, tout est dit. Sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous surtout et bye bye.